Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tuerie de l'école primaire de Sandy Hook, qui est une histoire très importante, notamment aux États-Unis. C'est la troisième plus grosse fusillade en milieu scolaire de tout le pays. Et c'est une histoire dans laquelle il y a énormément de choses à raconter. C'est pourquoi je vais vous la faire en deux épisodes. Donc l'épisode d'aujourd'hui, le premier, je vais tout simplement vous raconter tous les faits dans la chronologie, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux jour-là. Et puis je vais aussi aborder le profil du tueur. Dans le prochain épisode qui sortira vendredi, eh bien vous aurez beaucoup plus toutes les conséquences qu'il y a eu après cette histoire. Vous verrez qu'il y a eu énormément de retentissements, donc ça demandera tout un épisode, rien pour en parler. En complément de cette histoire, je vous conseille très fortement d'aller voir les deux épisodes que j'avais déjà fait sur les tueurs de masse. C'était des cours très théoriques pour vous vraiment vous apprendre de manière assez générale comment fonctionne ce phénomène-là. Donc ça peut être intéressant de l'avoir vu avant parce que je vais parfois un petit peu faire référence à ces vidéos, ou alors vous pouvez regarder celle-ci et puis ensuite aller voir celle sur les tueurs de masse. Je vous les affiche juste ici. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et puis une fois que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le vendredi 14 décembre 2012 dans la ville de Newtown dans le Connecticut. Il s'agit d'une petite ville tranquille de 28 000 habitants dans laquelle il y a très peu de crimes, on dénombre un seul homicide en 10 ans. Le matin, probablement entre 8 et 9 heures, Adam Lanza, 20 ans, tue sa mère Nancy, de 52 ans, dans son sommeil avec une carabine 22 Long Rifle à leur domicile. Elle sera retrouvée plus tard par les enquêteurs en pyjama dans son lit avec 4 blessures par balle dans la tête. Adam vole ensuite plusieurs armes appartenant à sa mère ainsi que sa voiture qu'il conduit jusqu'à l'école primaire de Sandy Hook. Pour vous situer un petit peu l'établissement, Sandy Hook était une école primaire qui accueillait 456 élèves de la maternelle jusqu'au 4th grade, qui est l'équivalent en France pour nous du CM1. Et c'est un établissement dans lequel la sécurité avait été renforcée peu de temps avant les faits. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils laissaient rentrer tous les élèves avec leurs enfants avant le début des cours, et à partir de 9h30, toutes les portes étaient verrouillées, fermées, et pour pouvoir rentrer dans l'école, il fallait se présenter devant des caméras et avoir l'approbation d'une personne pour pouvoir entrer. Adam Lanza arrive à 9h35 devant l'école, il porte des vêtements noirs, une grosse veste de pêche verte foncé avec plein de poches, un masque, des lunettes de soleil et des bouchons d'oreilles. Avec l'AR-15 de sa mère, qui est un fusil automatique, il tire dans une porte vitrée qui était verrouillée, ce qui lui permet d'entrer dans l'école. La principale, Dawn Ochsprung, et la psychologue scolaire, Marie Sherlach, étaient dans une salle de réunion avec d'autres membres du personnel éducatif quand elles sont alertées par les bruits de feu et les bruits de verre qu'elles entendent et qu'elles se précipitent dans le couloir pour voir ce qui se passe. La professeure Nathalie Hammond sort également et elles se retrouvent toutes les trois face à Adam Lanza. À ce moment-là, elle s'écrie « Tireur, ne bougez plus » et le système de haut-parleur qui servait à faire les annonces le matin était allumé à ce moment-là. On ne sait pas exactement pourquoi, si c'est la principale qui en entendant les bruits a décidé de l'activer ou si c'était un oubli suite aux annonces ce matin-là. Et en fait, par chance, ce système-là va retransmettre tout ce qui se passe dans le couloir à toute l'école, ce qui va probablement sauver de très nombreuses vies. Adam Lanza ouvre le feu, il tue la principale et la psychologue scolaire. Nathalie Hammond, elle, est touchée au bras et à la jambe, mais elle arrive à se traîner jusqu'à la salle de réunion qu'elle referme derrière elle et qu'elle maintient fermée en appuyant avec tout le poids de son corps contre la porte. Le tireur entre ensuite dans un bureau dans lequel il y avait des membres du personnel éducatif qui se cachaient, mais il ne les voit pas. L'infirmière Sally Cox raconte qu'elle a vu la porte s'ouvrir, les jambes et les bottes du tireur lui faire face à environ 6 mètres d'elle,
attendre pendant quelques secondes, puis faire demi-tour et repartir. Elle et une autre secrétaire qui était dans la pièce appellent tout de suite les secours, le 911, et je vous laisse écouter cet appel. Okay, what makes you think that? Because somebody's got a gun. I saw a glimpse of somebody. They're running down the hallway. Okay. They're still running. They're still shooting. Sandy Hook School, please. Pendant ce temps, Rick Sorn, le concierge de l'école, court dans les couloirs afin d'alerter un maximum de personnes et de classes pour les mettre en sécurité. Et puis il va aussi passer un appel au 911. Cet appel, il est particulièrement impressionnant puisqu'on entend une partie des coups de feu qui ont été tirés. What's the location of your emergency? Sandy Hook Elementary School, 12 Dickinson Drive. Okay, I've got that. What's going on down there? I believe there's shooting at the front glass. Something's okay. Going on. All right, I want you to stand in line with me. Where are you in the school? I'm down the corridor. All right, I want you to take cover. Jen, get the sergeant. All right, get everybody you can going down there. All right, let me get some information from you. What makes you think that? The front glass was all shot out. It kept going on. Okay. It's still happening. All right. What about the students in the front of the building? Dude, everything's locked up as far as I know. I'm not in the front. All right, you're in lockdown? Yeah, they're in lockdown. Did you see anything out the window? No, it's still going on. I can't get over there. Okay, I don't want you to go over there. I want to know what's happening with the students, though, along the front corridors. This is in the front parking lot? Yes. I'm not in the front. I'm actually down the other part, but I'm close. Okay. Do you see anything or hear anything more? I keep hearing shooting. I keep hearing popping. Guys, we got a shooting at the Sandy Hook Elementary School in Newtown. It's just 911's ringing off the hook for us. I'm going back to shooting. All right, Jen, let's get one caller. I'll take my caller. All right, now who am I talking with right now? Pardon me? What's your name? Rick Storm, all right. Rick, what is your position with the school? I'm acting head custodian. Okay. Newtown, what's the address of the school? 12 Dickinson Drive. Okay. Something's happening. Okay. Jen, hang up. I need you to get off that phone. All right, Rick. Rick? Yes. All right, what are you hearing now? Now it's silent. Okay. That's Riverside Road. All right, now when you say the school is in lockdown, all doors are locked, kids are in classrooms. Okay. So at this time, you're defending in place. So one flight down the highway. Excuse me? Okay, at this time, all the rooms are locked. Yeah. Okay, did you see anything out front before this started? No, I was out one morning. Where are you in the... Okay, so the gym teacher told me they saw shadows going past the gym. Just now? Yes. All right. Now, are they running on the outside or the inside? I would say that was the outside. There's still shooting going on, please. All right, what about injuries at this time? Excuse me? What about injuries at this time? I don't know of any injuries right now. Okay. Yeah, we have... Come up the driveway, left side. Jen, I need you to call the state police. Just. It's still going on. Comme vous l'avez entendu dans cet extrait, le problème de la situation, c'est que à cause, entre guillemets, des mesures de sécurité qui avaient été prises, et bien finalement, comme toutes les portes étaient verrouillées,
tous les enfants, les professeurs, toutes les personnes à l'intérieur du bâtiment étaient bloquées et ne pouvaient pas en sortir. De son côté, Adam Lanza entre dans une classe de CP où la maîtresse remplaçante Lorraine Rousseau ainsi que l'assistante pédagogique Rachel Davino essayaient de cacher des enfants dans la salle de bain au fond de la classe. Tous seront tués, sauf une petite fille âgée de 6 ans qui va réussir à s'en sortir en se faisant passer pour morte et en ne faisant absolument aucun bruit. Le tireur passe ensuite à la classe d'à côté qui est également une classe de CP dans laquelle les élèves se cachaient certains dans des placards et d'autres sous des bureaux. La maîtresse Victoria Soto est tuée, l'assistante pédagogique Anne-Marie Murphy est également tuée alors qu'elle essaye de s'interposer entre le tireur et le petit Dylan Oakley, 6 ans, qui sera lui aussi abattu par le tireur. Plusieurs enfants sont ensuite abattus par Adam Lanza alors qu'il fait le tour de la classe, tandis qu'un élève âgé de 6 ans, nommé Jesse Lewis, va inciter ses camarades à se sauver en leur criant de courir, et il sera malheureusement abattu lui aussi par Adam Lanza qui le regarde droit dans les yeux. Grâce à Jesse, 6 enfants parviendront à s'échapper de la classe pendant que Adam Lanza recherche son arme et ils trouveront refuge dans une maison juste à côté de l'école. Et 5 autres enfants qui eux étaient cachés dans un placard seront retrouvés en vie à l'arrivée des secours. Ensuite, dans les minutes qui suivent, les élèves et les professeurs parviennent à échapper aux tueurs en se barricadant à l'intérieur de leur classe, en ne faisant absolument aucun bruit, en restant très silencieux. Et le tueur, lui, il va passer dans différentes pièces sans forcément les trouver. 911, what's the address? It's 10 Dickinson Drive and Sandy Hook, Newtown, Connecticut. Okay, what's going on at 10 Dickinson Drive? It sounds like there are gunshots in the hallway. I'm a teacher in the school. Okay, where are you in the school right now? I am in the school. I'm in the classroom. Okay, do you have everyone in the classroom and the door locked? All of my students. The door is not locked yet. I have to go. Okay, lock the door. Tell me, keep everybody calm. Keep everybody down. Get everybody away from the windows, okay? Yes, okay. Where are you in the school? I'm in the hallway when you walk in the front entrance if you take a left. Okay. All right. Just try to lock down the school, okay? We're trying, okay. All right. Bye-bye. Bye. Newtown 911, what's the address for today? This is the state police. I got a victim from the shooter here. Yep. She's been shot once in the foot. She's been shot once in the foot? She's in playground number 2. Okay. All right. All right. Room number 1. Room number 1? Yep. One shot in room 1. How close are you guys to arriving on scene? What? How close are you guys female to shot in the foot. Yeah, a female party shot in the foot. Yep, she's in. But by the ambulance. Right by the playground, room number 1. Oh, I know that. Okay. Where are you? Are you okay right now? Yeah. Okay. Where's room 1 in the school? Facing the playground. Where are you? Facing the playground. On the playground? Facing towards the playground. Okay. Are you safe right now? I think so. My classroom door is not locked. Okay. Is there anybody that can lock the classroom door without being safe? No. Safe to do so. Okay. All right. Just try to stay where you are. Okay. Yes. There's children in this room. So. Okay. Try to apply pressure, okay? Yeah. Okay. We have people coming, okay? Uh-huh. All right. Is there any other teacher with you in there, or is just students? No, there's 2 other adults in the room with you. Okay. All right. Are they right next to you? Where are they in the room? No, they're over on the other side of the bookshelf. Okay. All right. Are you okay right now? For now, hopefully. Okay. All right. Just keep an eye on it. Try to keep pressure on it. Okay. We have people heading out there. Okay. Bye bye. À 9h40, soit environ 4 minutes 30 après le premier appel passé au 911, des policiers arrivent sur place. Adam Lanza, qui les a probablement aperçus, entre alors à nouveau dans la classe de Miss Soto et on entend un coup de feu. Son corps sera par la suite retrouvé dans cette salle. Adam Lanza s'est tiré une balle dans la tête avec un Glock 20 SF. Les corps des victimes, eux, ont été récupérés, transportés, puis ensuite identifiés formellement pendant la nuit suivante.
Au total, l'attaque a duré moins de 5 minutes, 156 coups de feu ont été tirés et on dénombre 27 morts, le tireur lui-même, 6 professeurs ou membres de l'équipe pédagogique, 20 enfants. Et à cela, il faut aussi ajouter une victime supplémentaire qui est la mère de Adam Lanza, retrouvée à son domicile, ce qui nous porte donc à 28 morts au total. Aucune note de suicide ou mot de motivation n'est retrouvée sur le corps de Adam Lanza, mais par contre, on retrouve les papiers d'identité de son frère Ryan Lanza, qui va donc être l'identité qui va être premièrement diffusée dans les médias et sur les réseaux sociaux. En réalité, Ryan se trouvait à son travail à New York au moment des faits, ça faisait déjà à peu près 2 ans qu'il ne parlait plus du tout à son frère Adam, et si vous voulez, il a appris la nouvelle qu'il accusait en direct à la télé. Il a tout de suite quitté son travail, puis il s'est rendu chez lui pour récupérer ses affaires et pour se connecter sur son compte Facebook où il avait déjà reçu 14 000 messages d'insultes pour publier un message qui précisait que c'était une erreur et qu'il n'était pas l'auteur de la fusillade. Suite à ça, il a été pris en photo et filmé alors qu'il était menotté et se faisait escorter par la police de New Jersey, puis ensuite il a été interrogé pendant près de 7 heures par le FBI avant que la police ne communique officiellement le fait que il n'était pas le tireur et que le tireur était bien son petit frère et que lui avait pleinement coopéré avec les forces de l'ordre et qu'il n'était vraiment en rien impliqué dans cette affaire. L'autopsie d'Adam Lanza révélera qu'il n'était ni sous l'influence d'alcool ni sous l'influence de drogue au moment des faits. Voilà, ça c'est pour tout ce qui s'est déroulé lors du 14 décembre 2012. Donc vous avez toute la chronologie des faits et maintenant on va s'intéresser plus particulièrement à Adam Lanza, essayer de comprendre un petit peu qui il était. Adam Lanza est né le 22 avril 1992 et il est donc décédé le 14 décembre 2012 à l'âge de 20 ans. Il vivait chez sa mère, Nancy Lanza, à Newtown, dans le Connecticut, et il n'y a pas d'antécédents, de conflits ou de haine connus entre la mère et le fils. Nancy n'envisageait probablement pas que son fils puisse devenir violent puisqu'elle n'avait visiblement jamais eu peur de lui, en tout cas elle n'en avait jamais parlé en ces termes-là à son entourage, à ses amis, à ses proches, etc. Elle dormait tout à fait sereinement avec sa porte qui n'était pas verrouillée malgré le fait qu'il y avait énormément d'armes dans la maison. Car en effet Nancy Lanza elle possédait énormément d'armes à feu parce que c'était ce qu'on appelle une prepper, c'est-à-dire une survivaliste, c'était donc une personne qui appartenait à une communauté de gens qui croient que la fin du monde est plus ou moins proche et qui s'y préparent. Donc c'est des personnes qui vont généralement faire beaucoup de réserves de nourriture chez elles et qui vont avoir beaucoup d'armes à feu pour pouvoir se défendre et qui s'entraînent très régulièrement à tirer pour être vraiment prêtes au moment où la fin du monde pourra arriver. Elle en met d'ailleurs régulièrement ses deux fils au stand de tir pour qu'ils s'entraînent pendant leur enfance. C'est une femme qui, après son divorce et aussi le départ de son plus grand fils, Ryan, s'est retrouvée à vivre toute seule avec Adam dans leur grande maison de Newtown. On sait assez peu de choses au final sur Nancy Lanza, les témoignages qu'on peut avoir qui racontent un peu comment elle était sont parfois un petit peu contradictoires puisque ses amis les plus proches, vraiment les personnes qui l'appréciaient, ils disent que c'était une femme absolument formidable, qu'elle était extrêmement souriante, chaleureuse, bienveillante, etc. Enfin, normal, c'était ses amis, et les personnes qui la connaissaient un petit peu moins, ils décrivaient une personne avec des comportements un petit peu bizarres, peut-être un petit peu du genre à être très prudente et très distante. Par exemple, elle ne laissait absolument jamais personne entrer chez elle, elle demandait à ce que personne ne sonne à la porte. Mais tout ça, finalement, je pense, vous allez le comprendre après quand je vais un peu plus vous parler d'Adam, c'était vraiment à cause de son fils, parce qu'il pouvait vraiment être perturbé par pas grand-chose. Donc je pense qu'elle était très très protectrice avec lui, et c'est pour ça qu'elle voulait pas qu'il y ait de changement dans la maison ou de choses qui puissent le perturber. Pour en revenir à Adam et pour vous parler un petit peu de sa scolarité, lui-même il a été scolarisé à l'école de Sandy Hook pendant 4 ans et demi, donc pendant une bonne partie de son école primaire, et c'est une école qu'il adorait, en tout cas vraiment selon son père c'est une école dont il a beaucoup de bons souvenirs et devant laquelle il aimait beaucoup repasser pour réactiver ces souvenirs-là.
Ensuite, il est entré au collège et c'est à partir de là que ça a commencé à beaucoup moins bien se passer, puisqu'en fait, Adam était très anxieux. Sa mère, elle dit que ce qui l'a beaucoup perturbé entre le passage de l'école primaire au collège, c'est le fait de devoir changer de classe à chaque cours et que c'est quelque chose qui le stressait beaucoup, au point qu'il en a fait même des crises d'angoisse qui l'ont amené à être hospitalisé, donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Après tout ça, il a été scolarisé dans un autre collège où il a vraiment pas tenu longtemps puisqu'il n'est resté que 8 semaines. À l'âge de 14 ans, il entre au lycée de Newtown où il va recevoir un prix qui est décerné aux très bons élèves et toutes les personnes qui l'ont côtoyé, que ce soit les professeurs ou ses camarades, vont le décrire comme quelqu'un de très intelligent mais qui est nerveux et agité et qui a beaucoup de difficultés sociales, qui n'arrive pas à lier d'amitié. Son parcours scolaire va ainsi continuer de manière assez chaotique. Il va principalement être retiré du parcours classique d'études en présentiel à l'école et il va faire ses études à la maison. Par moments, il y a quand même des périodes où il est inscrit dans des établissements, puis ensuite il est retiré, donc c'est un petit peu particulier. Et puis courant 2008-2009, il va suivre des cours à l'université. Mais de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du collège-lycée, il n'a pas pu beaucoup assister aux cours en présentiel à cause d'un trop-plein d'anxiété. Et en fait, maintenant que je vous ai décrit tout ça, je vais faire un flashback. On va retourner à la toute petite enfance de Adam, qui, vous allez le voir, a été très perturbée depuis presque toujours. Alors qu'elle était enceinte de Adam, Nancy a déjà eu des problèmes de santé, notamment des problèmes de diminution des mouvements fœtaux et divers symptômes qui l'ont obligée à arrêter son travail et à rester au domicile pour pouvoir se reposer. Donc ça n'a déjà pas été une grossesse facile. Et ensuite, très rapidement, il y a des choses qui sont apparues assez évidentes pour la mère qui avait des problèmes avec son fils. Et à l'âge de 3 ans, les pédopsychiatres ont commencé à parler d'anomalies dans le développement de l'enfant et notamment de ce qu'on appelle des troubles sensoriels. Ça, si vous voulez, c'est le fait qu'il y a des réponses, des réactions en fait à certains stimuli qui sont vraiment exagérés. C'est ce qu'on appelle aussi de l'hyper-réactivité. C'est pas, si vous voulez, quelque chose qui est véritablement défini dans les manuels diagnostiques psychiatriques en tant que tel, comme un réel trouble, mais c'est quelque chose qu'on retrouve très très souvent dans les troubles de spectre autistique. Et chez Adam, ça se traduisait principalement par des difficultés à la parole, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il n'a pas parlé ou alors il disait des choses qui étaient complètement incompréhensibles, inintelligibles. Alors que Adam a 13 ans, le psychiatre Paul Fox va lui diagnostiquer un syndrome d'Asperger qui est là une forme d'autisme. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'autisme, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler de manière hyper claire, etc. parce que j'ai vraiment, ça fait pas du tout partie de mon cursus en tant que psychologue, je connais vaguement ce que c'est. Donc désolée si jamais je fais des erreurs. Mais pour moi, en gros, les troubles du spectre autistique, c'est principalement des troubles qui sont caractérisés par des difficultés sociales et par des comportements qu'on va dire inhabituels, notamment répétitifs ou compulsifs. Et le syndrome d'Asperger, plus précisément, c'est une forme d'autisme, comme je vous l'ai défini juste avant, qui va être caractérisée principalement par des capacités cognitives supérieures, en tout cas très développées. Donc si vous voulez, vraiment, c'est un petit peu l'image classique et j'ai envie de dire stéréotypée de l'autiste qui va avoir des grosses capacités intellectuelles, notamment sur certains domaines comme les maths, les sciences, la physique, etc., mais qui va avoir beaucoup de difficultés relationnelles. Bon, clairement, là, j'ai grossi le trait pour vraiment vous résumer ça à l'essence même. Évidemment, l'autisme et les troubles du spectre autistique sont beaucoup plus complexes que ça, mais j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails puisque moi-même, j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Bref, donc comme je le disais, à 13 ans, Adam Lanza est diagnostiqué de ce syndrome d'Asperger auquel va se rajouter un an plus tard le diagnostic de trouble obsessionnel compulsif, ce qu'on appelle les TOC. Chez lui, c'est quand même vraiment quelque chose de très très présent. Il y a certains exemples qui ont été donnés. Par exemple, il changeait de paire de chaussettes 20 fois par jour, ce qui faisait que sa mère devait faire des machines absolument tout le temps pour laver son linge. Il refusait d'avoir des contacts avec beaucoup de surfaces, notamment les poignets, etc. Donc il mettait toujours soit sa manche dessus, ou principalement aussi beaucoup des mouchoirs jetables pour pouvoir appuyer, actionner sur une poignée et ensuite pouvoir tout de suite le jeter. Donc pareil, il avait une énorme consommation de mouchoirs.
Je crois que c'est à peu près à cette période-là que va lui être prescrit du Celexa, qui est un antidépresseur assez puissant, qu'il va prendre pendant à peu près 3 jours avant d'arrêter, puisqu'en fait c'est un traitement qui ne lui convenait visiblement absolument pas, qui l'a rendu complètement presque végétatif selon sa mère, et du coup il l'a pris comme ça pendant quelques jours, mais ensuite elle a arrêté de lui faire prendre. Ce qui n'est pas une mauvaise décision en soi, je tiens vraiment à le dire, je trouve que c'est tout à fait normal que quand un traitement ne convient pas du tout à un patient comme ça, on ne s'obstine pas à lui donner, mais par contre, le problème c'est que je crois qu'ensuite elle n'a pas fait renouveler d'autres prise en charge médicamenteuse, et que du coup finalement il n'avait plus du tout de médicaments, donc ça c'est vraiment là qu'est le souci, puisque il n'y a pas de problème à arrêter un traitement qui ne convient pas à quelqu'un, mais ça aurait été je pense très bien de lui en trouver un autre qui lui aurait beaucoup mieux convenu. Le père de Adam, lui, il pense que son fils souffrait probablement d'une maladie mentale, par exemple de la schizophrénie ou une autre forme de psychose qui n'aurait pas été diagnostiquée parce que certains des symptômes auraient été confondus avec ceux de son trouble du spectre autistique, et du coup ça serait venu se rajouter à ça et ça n'aurait pas du tout été détecté ni pris en charge. En tout cas, parmi tous les médecins qui ont examiné Adam, aucun n'a repéré d'éléments, n'a relevé de la violence en lui, et ça c'est vraiment quelque chose que je tiens beaucoup à souligner. Il ne faut pas faire d'amalgame entre un trouble du spectre autistique et la violence. C'est pas parce qu'on est autiste qu'on va devenir agressif, violent envers les autres, c'est même d'ailleurs très très rare. C'est pas du tout un comportement typique de ce genre de pathologie là, donc vraiment il faut pas tout mélanger et penser que c'est parce qu'il est autiste qu'il est entré dans une école et qu'il a tué tout le monde, ça n'a vraiment rien à voir. Par contre, c'est quand même intéressant de connaître ce background là, puisque du coup on sait qu'il était pas pris en charge, que ça a probablement causé beaucoup de souffrance et de perturbations chez lui. Et puis aussi, comme je vous le disais déjà dans ma vidéo précédente, il y a certains liens qui sont faits entre les troubles neurodéveloppementaux et certains comportements de tueurs en série et de tueurs de masse, mais sans pour autant qu'on ait réussi vraiment à mettre le doigt dessus. On voit juste qu'il y a comme une sorte de corrélation peut-être entre les deux, mais pour l'instant c'est pas encore bien expliqué, donc ça reste intéressant quand même d'en parler pour pouvoir éventuellement étudier ça plus tard. Adam Lanza, il avait encore un autre souci qui était cette fois un trouble du comportement alimentaire, puisqu'il était anorexique à un stade plutôt sévère, même très sévère, puisque au moment de sa mort il mesurait donc 1m80, un peu plus d'1m80, je crois 83, et il ne pesait que 51 kg, donc c'est vraiment extrêmement peu. Et d'ailleurs, selon un certain nombre de professionnels qui ont étudié son cas, il était vraiment probablement dans un état de malnutrition sévère, qui est un état qui peut carrément provoquer des lésions cérébrales, donc ça peut aussi avoir joué sur ses comportements et sur sa psychologie tout simplement. Il y a des documents qui ont été retrouvés chez lui qui datent de son enfance, qu'on n'arrive pas forcément toujours très bien à dater, donc on ne sait pas exactement à quelle époque ils ont été écrits, mais dans lesquels on voit à quel point Adam ne se sentait pas du tout bien à l'école, et surtout combien il était préoccupé par sa maigreur, que c'est vraiment quelque chose en fait, le fait de ne pas manger, etc., qui le préoccupait beaucoup. Et on peut y lire par exemple « Tu deviendras gros si tu manges aujourd'hui. » Tiens encore un jour de plus, tu n'as pas besoin de nourriture. Les gens se souviendront de toi comme du beau mince. Les gros sont dégoûtants, seules les personnes minces sont gracieuses. Affame les parties de toi dont tu n'as pas besoin. Elles sont laides et t'entraînent vers le bas. La nourriture est méchante et sournoise. On trouve aussi dans ces documents beaucoup de traces de fantasmes violents que Adam semble avoir commencé à élaborer à partir de ses 10 ans à peu près. Par exemple, il a écrit une sorte de livre qu'il a appelé le grand livre de Granny. Je sais pas s'il faut traduire Granny, qui normalement veut dire mamie, donc s'il faut dire le grand livre de mamie ou si c'est le grand livre de Granny, parce que Granny est un nom, donc désolée, je vous dis les deux. Et en fait, dans cette histoire là il y a donc plusieurs personnages, et il y a le personnage de Dora qui va à un moment dire allons faire du mal aux enfants, et puis qui admet elle-même aimer blesser les gens, et particulièrement les enfants. Et puis il y a aussi tout un chapitre où Granny, mamie, se retrouve au club des enfants heureux, et où elle va du coup jouer avec eux à un jeu qui est Hide and Go Die, donc c'est un espèce de cache-cache mais mortel, et là encore elle dit que elle aime tuer des gens.
Les enquêteurs ont aussi retrouvé plein d'autres documents qui montrent vraiment à quel point Adam est devenu au fil du temps et des années de plus en plus sombre, de plus en plus déprimé et avec beaucoup de pensées, de ruminations extrêmement violente, où il écrivait des choses à propos de la mort, à propos de meurtre, à propos de familicide et même à propos de pédophilie. Mais là-dessus on n'a pas énormément d'éléments. Moi je me suis vraiment posé un certain nombre de questions. Déjà, est-ce qu'il s'agissait de fantasmes de sa part ou alors plutôt du fait qu'il avait été victime? Et je pense qu'il y a des choses qui vont un petit peu dans les deux sens, mais il y a vraiment, moi je me pose vraiment la question du fait me demander s'il aurait pas été quand même victime de certains actes pédophiles, parce que par exemple il a écrit un petit scénario de 4 pages qui s'appelait Lovebound, dans lequel il y avait une histoire d'amour entre un homme de 30 ans et un jeune garçon de 10 ans qui le représentait lui. Puis il a aussi écrit à d'autres moments dans un document qui s'appelait Me, il parlait de sa relation un peu idéale, etc., avec une fille, mais il évoquait quand même des attouchements et des viols subis par des bébés faits par des docteurs. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de pas net là-dessous. Et c'est arrivé à l'adolescence que Adam va développer une obsession pour la violence et pour les tueries de masse. Sur un forum en ligne, on a retrouvé un message qu'il a posté qui disait: comparé aux légions de personnes qui s'intéressent aux tueurs en série, il est presque impossible de trouver qui que ce soit qui s'intéresse aux tueries de masse, alors j'ai pensé me présenter comme ça. Je fais des recherches sur ce sujet depuis 2006 et j'ai commencé à tout compiler dans une liste en 2010. L'analyse du disque dur de Adam Lanza, elle n'a pas été facile, puisque en fait il avait tout fait pour le détruire juste avant les faits. Il l'avait sorti de son ordinateur et complètement défoncé, tout rayé et défoncé avec une halter. Mais il y a quand même des informations qui ont pu être récupérées et les enquêteurs disent qu'il a vraiment passé beaucoup de temps à faire des recherches sur les fusillades, sur les tueries de masse, notamment sur celle de Columbine de 1999. Et puis on a retrouvé aussi donc pas mal de vidéos, des vidéos des tueurs par exemple de Columbine, d'autres fusillades, et puis deux vidéos de personnes qui se suicidaient en se tirant une balle dans la tête. Et voilà, à partir de toutes ces recherches-là, il avait visiblement établi une énorme liste de près de 500 cas de fusillades, de tueries de masse répartis en 17 catégories et dans lesquelles il notait absolument tout, l'identité du tueur, le nombre de victimes, la date, l'heure, le lieu, comment est-ce que ça s'est terminé pour le tueur, etc. Donc il avait vraiment fait des recherches extrêmement complètes sur ce genre de sujet-là. Puis en juin 2012, soit 6 mois avant les faits, il avait publié le message suivant: l'enthousiasme que j'ai ressenti quand Virginia Tech est arrivée semble avoir disparu depuis des centaines de milliers d'années. Rien ne compte pour moi, j'en ai fini avec tout ça. Et finalement, les motivations de Adam Lanza pour ce passage à l'acte, elles restent inconnues. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a agi à ce moment-là, pourquoi cette école-là, quel a été vraiment le facteur précipitant. Il y a plusieurs éléments qui sont peut-être intéressants pour apporter quelques petits piste de réponse. Déjà, le fait que, alors ça c'est assez débattu, sa mère aurait, je dis bien aurait entre guillemets, travaillé en tant que bénévole dans cette école-là, mais c'est une information qui est débattue. Alors pourquoi est-ce que ça aurait vraiment posé problème? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu des histoires entre elle et l'école. Allez savoir. Encore une fois, selon des rumeurs, il y aurait eu une altercation entre Adam Lanza et plusieurs membres du personnel éducatif de Sandy Hook, dont la principale, la veille des faits, mais là encore, ce n'est pas avéré, donc je sais pas vraiment d'où partent ces rumeurs-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Marlee Cherlage, qui était donc la psychologue scolaire de l'établissement qui a été tuée au tout début de l'attaque, elle était la présidente du Planning and Placement Team qui s'est occupée du cas de Adam Lanza. J'ai pas totalement compris, mais en gros, si j'ai bien suivi le truc, c'est une sorte de commission qui va s'occuper de trouver des solutions éducatives et pédagogiques pour des enfants en difficulté, notamment des enfants en situation de handicap, etc. Donc c'est elle qui avait un petit peu géré son dossier. Et d'ailleurs, on a retrouvé un document, une lettre qu'avait écrit la mère de Adam, donc Nancy, où elle avait vraiment fait les louanges de Cherlage dans un courrier en la décrivant comme très serviable et utile pour maintenir le niveau de stress d'Adam au minimum. Donc là encore, on peut vraiment se demander est-ce que potentiellement l'attaque la visait particulièrement. Allez savoir.
Et bien entendu, on ne peut pas non plus oublier le fait que Adam, il a été scolarisé, il a fait toute son école primaire dans cet établissement-là. Il y avait visiblement des bons souvenirs, mais peut-être que du coup ça s'est transformé dans sa tête, peut-être qu'il y a rattaché d'autres choses. C'est compliqué à savoir, peut-être qu'il voulait justement détruire ce seul moment où il s'est senti bien à l'école, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dernières années et surtout les derniers mois avant la fusillade, l'état de Adam Lanza, il s'est progressivement détérioré et puis il s'est lui-même désociabilisé de plus en plus. Il avait vraiment plus aucun contact avec l'extérieur, il avait déjà coupé les ponts avec son père et avec son frère depuis 2 ans, puis ensuite il a commencé à carrément tout bâcher dans sa chambre avec des gros sacs poubelles qu'il a scotchés pour plus avoir du tout la lumière du jour, plus aucune vue sur l'extérieur, et il était absolument tout le temps enfermé dans sa chambre. Je crois qu'il allait juste parfois dans le sous-sol où il avait aménagé avec des jeux et tout ça, mais voilà, il avait plus du tout de contact, même avec sa mère avec qui il vivait. Sur les derniers mois, il n'échangeait plus que par email et il se parlait plus du tout en face à face ou de vive voix, donc il s'était vraiment renfermé de plus en plus sur lui, recroquevillé. Et finalement, les seules personnes avec lesquelles il avait encore des contacts à ce moment-là, en plus de sa mère, mais c'était des personnes auxquelles il parlait sur internet, sur des forums, des personnes qui étaient elles aussi des passionnées comme lui de fusillade, de tuerie de masse, mais je pense pas des personnes qui étaient vraiment comme nous, qui s'intéressent pour essayer de comprendre, mais plus, vous savez, ça existe et il y en a beaucoup, toutes ces personnes qui sont des fans des tueurs de masse. Alors bon, le réel problème qu'il y a eu dans la vie d'Adam, je pense que vous l'avez compris, hein, c'est tout le manque de soins qu'il a pu recevoir, notamment sur la faim. C'est un jeune homme qui avait énormément de problèmes, je pense que là encore vous l'avez compris, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient le troubler au niveau psychologique, et en fait, si vous voulez, pendant des années, ça a continué à s'aggraver et à se détériorer. On le voit dans son évolution, petit à petit, il devient de plus en plus morbide, il a des idées, des ruminations qui sont de plus en plus noires, et on voit potentiellement le chemin qui a commencé un petit peu à se créer en lui et qui a fini par amener à la tragédie qui s'est passée dans l'école de Sandy Hook. Pour autant, je pense qu'on peut pas non plus complètement jeter la pierre uniquement sur sa mère, sur Nancy Lanza, parce que faut quand même rappeler qu'elle s'occupait toute seule de lui et que ça devait être vraiment très compliqué. Moi, de ce que j'ai pu en lire, il y a énormément d'informations sur un blog que je vous recommande beaucoup si jamais vous avez envie de creuser un peu là-dessus et que vous comprenez l'anglais, c'est le blog de Crying Hamster que je vous aurais mis en barre d'infos, où j'ai trouvé pas mal d'informations que je vous donne dans cette vidéo, mais il y en a vraiment beaucoup plus, il est extrêmement renseigné sur ce sujet là et en fait vraiment quand on lit tout ça, on voit que Nancy, elle était très investie auprès de son fils, elle s'occupait vraiment beaucoup de lui, elle faisait beaucoup de choses, elle s'est vraiment presque sacrifiée, j'ai envie de dire, mais c'était très difficile, lui il était très difficile, c'est à dire qu'il était très demandeur d'attention, dans le sens où il lui demandait de tout faire.
au point qu'il savait même pas faire ses lacets à 17 ans et que c'était elle qui lui faisait, il lui faisait faire ses machines, etc. Mais en même temps, il la tenait quand même à distance, éloignée. Et puis, il était vraiment extrêmement exigeant, il lui demandait énormément, je pense, d'énergie. Il était très très difficile à gérer et je pense vraiment que, bon, elle a essayé de faire au mieux. Personnellement, j'ai vraiment l'impression que, voilà, elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait, qu'elle aimait vraiment beaucoup beaucoup son fils, qu'elle voulait du coup s'occuper de lui autant que possible jusqu'au bout. Et d'ailleurs, je sais pas, je fais un petit écart, mais je pense que si Adam a tué sa mère dans son sommeil, c'est pas pour rien, c'est qu'il devait quand même y avoir beaucoup d'amour entre eux, et que je pense que s'il l'a tuée comme ça dans son sommeil, c'est pour s'assurer qu'elle ne saurait rien de tout ce qu'il s'apprêtait à faire en fait, et peut-être pour pas la décevoir entre guillemets. C'est l'impression que moi j'en ai en tout cas. Et voilà, clairement, je pense que Nancy Lanza couvait beaucoup trop son fils, et ça c'est pas bon, qu'elle a pas forcément pris toutes les bonnes décisions au niveau de son éducation et de sa santé, c'est certain, mais après je pense qu'il y avait vraiment pas de mauvaise intention de sa part, je pense qu'elle a voulu s'occuper de lui autant que possible, et qu'elle a pas voulu le placer dans un centre, même si ça aurait été certainement mieux pour lui. Mais voilà, je pense vraiment qu'elle se doutait pas du tout qu'il pouvait devenir violent. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il y a plein de médecins qui avaient quand même examiné Adam et qui ne s'en sont jamais rendus compte non plus. Elle avait pas peur de lui, il y avait beaucoup, comme je vous l'ai dit, d'armes dans la maison auxquelles lui avait accès, et elle a jamais verrouillé ses portes ou quoi que ce soit, elle dormait sereinement, donc vraiment je pense qu'elle s'attendait pas du tout à ce qui s'est passé, et puis comme il la tenait vraiment éloignée de sa chambre, qu'elle avait pas le droit de rentrer, bah elle a pas forcément pu s'apercevoir de toutes ses activités et de tous ses centres d'intérêt un peu qui auraient dû l'alerter normalement. Mais il faut savoir que vraiment il était extrêmement difficile à vivre, comme je vous l'ai dit, tout pouvait le perturber, et visiblement si quelqu'un sonnait à la porte, ou si quelqu'un rentrait dans la maison, ou s'il y avait quelque chose qui se passait pas comme d'habitude, ça le faisait partir dans ce qu'il appelait lui-même des crises existentielles, et du coup il devenait complètement hystérique, il se mettait à crier, à s'agiter on va dire, et puis ensuite pendant des jours il devenait complètement mutique et il parlait plus du tout à sa mère, donc elle essayait de calmer ce genre de choses, et du coup je pense qu'elle avait clairement pas le droit d'approcher ou de rentrer dans sa chambre, donc c'était vraiment très difficile à gérer pour elle. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à mettre en place qui aurait permis d'éviter ce drame ? Si vous avez déjà écouté ma vidéo sur les tueurs de masse, vous savez qu'il existe énormément de facteurs qui peuvent amener une personne à ce genre de passage à l'acte-là. Et chez Adam, on retrouve un certain nombre de ces facteurs, notamment tous ceux qu'on appelle les facteurs prédisposants, qui sont là absolument en masse, hein, tous les troubles psychologiques qu'il peut avoir, les troubles neurodéveloppementaux, les syndromes, son mal-être, le fait qu'il était désociabilisé, qu'il était déscolarisé, qu'il s'est senti exclu, à part, etc. Ça fait vraiment beaucoup de choses. Potentiellement aussi des lésions au cerveau à cause de ses troubles, à cause aussi de sa pathologie, de son anorexie, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup de facteurs prédisposants. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs facilitants, c'est-à-dire tout simplement l'accès aux armes, à des armes en plus de destruction massive, clairement, qu'il avait directement chez lui et qu'il savait manier. Par contre, pour ce qui est du facteur précipitant, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vraiment être la petite goutte peut-être qui va faire que les choses vont s'enclencher, là, on ne sait pas. Puisque je pense que si vous avez écouté ma vidéo, vous le savez, généralement, le phénomène de tueur de masse, il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui monte, qui s'appelle la cristallisation. Et puis, il va y avoir un petit truc en plus qui va tout faire basculer. Et là, pour le coup, vraiment, au niveau de cette précipitation-là, c'est un mystère, on sait pas trop, est-ce qu'il y a pu y avoir une dispute, est-ce qu'il y a pu y avoir un élément particulier qui a perturbé Adam, est-ce que c'est, je sais pas, une œuvre en particulier qu'il a vue, qui a enclenché le truc. Vraiment c'est complètement mystérieux, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a agi précisément à ce moment-là, dans cette école, etc. Donc tout ça évidemment ça nous fait penser qu'évidemment il y avait peut-être des choses à repérer avant qu'il passe à l'acte et qui auraient peut-être permis d'éviter le drame. Après je tiens vraiment à réinsister sur le fait que Adam n'avait visiblement pas d'antécédent de violence connu à proprement parler, en tout cas comme je vous l'ai dit il y avait ces crises et tout ça, mais je veux dire bon c'est des crises qui faisaient certainement partie de son trouble autistique. Donc c'est quand même assez difficile parce qu'il y avait vraiment rien de particulièrement alarmant au niveau de son comportement qui aurait pu laisser
penser à une hétéro-agressivité et à un futur passage à l'acte. D'ailleurs, son père, lui, il s'est exprimé sur les faits après tout ça, évidemment, et il a déclaré qu'il avait vraiment aucune idée que son fils était capable de faire ça. Il s'y attendait pas du tout, il pensait pas que son fils était capable d'une telle violence. Et ensuite, il a ajouté: je sais qu'Adam m'aurait tué sans hésiter s'il en avait eu l'occasion, je n'en doute pas une seconde. La raison pour laquelle il a tiré à 4 reprises sur Nancy, c'est une balle pour chacun d'entre nous. Une pour Nancy, une pour lui, une pour son frère Ryan et une pour moi. Depuis peu, je me suis mis à souhaiter qu'il ne soit jamais né. Ce n'est pas naturel quand on pense à son propre enfant. C'est impossible de pleurer le petit garçon qu'il était. Ce n'est pas possible de se duper soi-même. Alors pour conclure finalement ce profil de Adam Lanza, je vais vous lire des extraits des deux rapports qui ont été faits à propos de toute cette histoire et qui finalement résument et condensent un petit peu tout ce que je vous ai dit. D'abord, on a le rapport du procureur qui résume ainsi les faits. Adam Lanza a agi seul. Lanza était familier et avait accès à des armes ainsi qu'à leurs munitions. Il était obsédé par les tueries de masse, en particulier celles du lycée de Columbine. Les éléments montrent clairement que le tireur avait prémédité ses actes, incluant le fait de sauter la vie. Mais il n'y a pas d'éléments pour comprendre pourquoi il a agi ou pourquoi il a attaqué l'école de Sandy Hook en particulier. D'importants troubles mentaux affectaient sa capacité à vivre normalement et à interagir avec les autres, même ceux dont il était proche. À quel point cela a-t-il influé sur la fusillade, si c'est le cas, est incertain puisque les professionnels de santé mentale qui l'ont reçu n'ont rien vu qui pouvait prédire son comportement futur. Pourquoi le tireur a tué 27 personnes, incluant 20 enfants? Malheureusement, cette question restera peut-être toujours sans réponse, malgré toutes les informations sur le contexte et l'histoire personnelle du tireur. Et le rapport de l'avocat du bureau de l'enfant, lui, il précise: il n'y a pas un point culminant qui a conduit Lanza à commettre la fusillade. Il s'agit plutôt d'une cascade d'événements qui inclut la perte de l'école, l'absence de travail, la rupture de sa seule relation amicale, aucun contact personnel avec sa famille, un isolement qui a augmenté, la peur de perdre sa maison et d'un changement dans sa relation avec sa mère, qui était sa seule relation et la seule personne à s'occuper de lui. Des tocs qui empiraient, de la dépression et de l'anxiété, des troubles anorexiques profonds et une obsession grandissante pour les tueries de masse. Adam vivait dans un univers alternatif où les ruminations à propos des fusillades étaient sa principale préoccupation. Il est juste de préciser que si les troubles mentaux de Lanza avaient été correctement traités pendant les dernières années de sa vie, l'un des facteurs prédisposant à la fusillade de Sandy Hook aurait pu être atténué. Et voilà, sur ces paroles, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode, mais on se retrouve dans quelques jours pour la suite à propos de l'histoire de la fusillade de Sandy Hook. Et là, cette fois, je vais beaucoup plus aborder tout ce qui s'est passé après les faits et toutes les conséquences, le retentissement médiatique notamment qu'il y a pu avoir à cette histoire. Vous allez le voir, c'est loin d'être fini parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes à dire encore à propos de cette affaire. Thank you.
J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout et merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'aller faire un tour sur Utip. Vous êtes nombreux à me dire que par moment vous essayez d'aller regarder des pubs et que ça ne fonctionne pas. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, il suffit de réessayer un petit peu plus tard. Je crois qu'il y a des quotas par heure ou par jour de nombre de publicités qui peuvent être regardées par créateur en fait, donc c'est simplement que le quota a déjà été épuisé, ça veut dire qu'il y a déjà plein de personnes qui ont regardé des publicités pour moi, donc du coup merci beaucoup en fait juste de penser à y aller, c'est absolument adorable, il suffit juste de repasser un petit peu plus tard. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite pour la suite de cette histoire, et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.